Oh yeah. Nous les pharmaciens on fait 6 ans d'études, autant que les avocats tu te souviens c'est rude. On n'a pas trop le temps de profiter de la vie, et entre deux paillasses on bouffe des raviolis. Oh yeah. On devient assistant pendant quelques années, où on économise comme des forcenés. On se paye sa boutique et on en est fier, mais de la banque on est le principal actionnaire. Oh yeah. Puis de nombreuses années on fait le tiers payant pour que les gens se soignent sans avancer d'argent. Est-ce que la grande surface autorise les smicards à faire toutes leurs courses et les payer plus tard? Oh yeah. À longueur de journée on se casse le cul pour pas en rajouter au trou de la sécu. Placer les génériques ce n'est pas si facile, car la plupart des gens ils sont encore hostiles. Oh yeah. Et puis quand vient la semaine de notre tour de garde, on a des rudes journées et crois-moi c'est hard. Scotché à notre comptoir on a une vie de druide, tout ça pour beaucoup moins que nos amis toubibs. Nos chiffres d'affaires stagnent, on doit être les seuls, pendant que notre marge se casse bien la gueule. Faut dire que les sorties de la réserve hospitalière fausses les statistiques que font tes ministères. Oh yeah. Certains médicaments dans les grandes surfaces, ça nuit à la santé et ce n'est pas leur place. Tu veux faire plaisir à ton copain Leclerc, mais nous les pharmaciens on est en colère. Oh yeah. Peut-être que le chanteur Antoine entendant cette chanson n'appréciera pas et qu'il va être grognon. Je lui dirai mon gars c'est comme les génériques, ta chanson est tombée dans le domaine public.